mes chers amis, mes chers friends, on se retrouve dans un nouveau vlog. Vous commencez à connaître la chanson. Troisième épisode, mois de juillet. Le dernier mois a été chaotique, il me semble. Ce mois le sera tout autant, écoutez. Et on ne commence pas n'importe comment, tout simplement. Parce que j'ai eu une... Enfin, comme à chaque fois que je me fais des couleurs, j'ai pété mon crâne, d'accord. Je me suis levée, déjà je me suis levée à midi. J'ai une tête, mais... J'ai pris un châtain clair doré. Parce que derrière, mes cheveux là, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit plus clair partout, quoi. Et on va faire ça ensemble. Bonjour. Voilà, c'est parfait. C'est perfect, c'est perfect. Bonjour. Qu'est-ce que je vais ressembler après ça? Je sais pas. Bon bah c'est parti. Comme ça me fait de la couleur. Hein. Coucou. Oui, je vous entends, je vous entends. Ça n'a rien changé. Non mais j'ai trop le seum en fait. C'est pas du tout châtain clair cette connerie là. C'est quoi cette merde? C'est pas châtain clair doré, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Châtain clair, c'est pas ça là. C'est châtain foncé quoi. Un peu châtain clair, mais pas trop châtain clair. Jeudi pro, on se retrouve au même endroit et on fait mon blond. D'accord? Mais au moins maintenant on le sait, j'ai perdu 15 euros. Super, on est ravis. Mais je voulais surtout vous retrouver pour faire une dégustation. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai envie de mettre maintenant une dégustation dans mes vlogs. Nous avons 2 mois pour faire une dégustation de tous ces chocolats. Les chocolats Tony's, faits à Amsterdam. Crazy about chocolate, serious about people. Et genre, il y a une tonne de chocolats de toutes les couleurs. Et j'ai envie de tous les tester avec vous. Parce que c'est un peu fun. Une tablette, ça coûte genre 3,20€, c'est hyper cher pour une tablette de chocolat, vous m'entendez. Et j'ai envie vraiment de tous les tester, donc je vais mettre un paquet de pognon dans cette connerie. Il est un peu salé, un peu sucré. Il a vraiment des pépites, une sorte de cookie qui donne une autre texture. Et c'est grave bon. Franchement, délicieux, hein. Franchement, je mets un 8. Un 8,5 même. Je mets un 8,5. Et puis voilà, mon dimanche, je pensais que j'allais être ravie parce que j'allais avoir une nouvelle coupe de cheveux. Mais au final, je me retrouvais exactement avec la même. Je vais continuer mon style fait, puis je suis à fond dedans. Bisous. J'espère le finir bientôt, si j'en peux plus. Je vous retrouve grave aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviendrai youtubeuse? Je ne pense pas. Je voulais vous retrouver pour vous montrer un peu les avancées de mon site web. Parce que je trouve qu'il est très cool. Alors déjà, je fais mon site web sur Cargo. Je l'ai fait cette année. Et je vous avoue qu'au début, c'était très compliqué. Parce qu'en vrai, la plateforme n'est pas ultra pratique. C'est énormément fait pour des designers. Des designers tout court. Les templates de base sont incroyables. Franchement, tu prends un template déjà existant de Cargo sans trop le modifier, tu peux avoir un site qui est carré et qui est magnifique. En plus, il y a énormément de typos qui sont très très cool. Et ben maintenant, je vous présente mon site. Attendez, regardez. Waouh. Donc déjà ici, vous avez en fait un panneau que vous pouvez glisser. Donc vous avez ce panneau là et ce panneau là avec tous mes projets. Déjà, j'ai mis son petit logo là qui fait des... Si c'est pas génial, si c'est pas formidable. Là, je dis en gros mes spécialités. Donc là, c'est tout mon travail, donc c'est tout ça. Et ensuite, là, vous avez des... Plutôt, si vous voulez, des spécialisations, exclusivement d'illustration. Et bien là, vous avez une page uniquement illustration. Vous avez aussi digital. J'ai aussi mon contact pour me contacter. Ici, vous avez une planche contact. Ensuite, en haut, ce que j'ai rajouté... Ici, vous voyez, il y a un autre menu. Vous avez le menu shop que je suis en fait, que je vais me faire un truc en mode en construction. Parce que quand je vous ai dit, j'aimerais bien avoir un truc shop qui arrivera. J'ai fait un manifeste que je trouve très, 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 très cool. Je mets à quoi j'aspire. Donc là, c'est vraiment pour montrer avec qui je souhaite travailler, comment je souhaite travailler, etc. Vous lirez tout ça si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai contact. On revient sur la même planche contact. Et puis voilà, c'est un peu ça ce que je suis en train de travailler. Et comme vous voyez, ça a pas mal changé. Et c'est bien parce que en vous en parlant comme ça, je vois aussi les petits détails que j'ai envie de changer. Donc c'est cool. Bref, bisous, ciao. Hi. Hello. Bonjour mes chers amis, mes chers friends. Dégustation.
tonise. Jingle. Bonjour déjà. Et hier soir, j'ai vu Nico parce que Nico est rentré de la Fashion Week. Ça m'a fait trop plaisir de le voir, il est incroyable, je suis trop trop fière de lui. Il mérite tout ça. Là en ce moment au stage, c'est grave cool parce qu'on prépare l'événement des 10 ans et du coup on va faire de la sérigraphie. Mais bon, on s'en bat les couilles. Orange, ma couleur préférée. Oh, j'ai gagné un truc là. J'ai gagné un truc d'or. Je comprends pas. Premier chocolat noir que je teste, hein. Il y a des bouts de citron. Effectivement, c'est au citron. Bon, ça sent pas énormément le citron. Franchement, il est bon. Mais par contre, j'adore ce papier doré là. Par contre, je tiens à dire que le packaging est magnifique, mais vraiment pas pratique parce que après, là, tu l'ouvres. Et comment t'es censé le refermer en fait? Et là, tu te retrouves avec ça. Voilà, tu la mets comme ça dans ta connerie. C'est nul, ça c'est nul, vraiment. Le jugement, allez, je vais mettre 7. Bref, bisous. J'espère que vous avez aimé ces infos, quoi. Ce serait pas le temps d'une playlist, en fait? Bon alors, comment on fait des lasagnes? Sauce tomate. Mais oui, Olivia Rodrigo, Olivia, Olivia, elle revient avec un son vampire. Flo, venez en France en fait. Bon allez, je vous laisse, j'espère que ce sera pas trop mauvais. Non mais regardez ce temps de merde. Sérieux là? Je n'ai absolument pas de parapluie. Votre pote est carrément conne genre. J'espère que ça va se calmer aujourd'hui parce que... Nous sommes vendredi. Jeudi normalement je voulais vous emmener. Sauf qu'en fait l'histoire c'est que il pleuvait et tout. Je me suis dit ok, je vais pas emmener. En fait, il ne faisait pas que pleuvoir. Et dans le bus, ma collègue qui envoie un message pour dire qu'elle ne serait pas là à cause de la tempête qui est chelou, tempête à Harlem, bizarre. Mais bon, moi, je me pose pas de questions, d'accord? Au final, je sors du bus et là, je me dis, allez Alice, il pleuvait encore des cordes. Et je me dis, allez, bus jusqu'à mon travail, j'ai 15 minutes de marche. Ça a été les 15 minutes les plus dangereuses de toute ma vie. Parce qu'en fait, la tempête à Harlem n'était pas qu'à Harlem. Mais était aussi Amsterdam. Donc je me suis retrouvée au milieu d'une tempête. C'était tellement dangereux. Je me battais contre le vent. En fait, en gros, j'arrivais pas à marcher tellement il y avait du vent. C'était abusé. En vrai, je rigolais un peu. J'étais en mode, c'est quand même hilarant ce qui se passe. T'es quand même sous la pluie. T'es déjà, mais au bout d'une minute, j'étais mais complètement mouillée de A à Z. J'étais en train de me dire, c'est quand même un peu hilarant ce qui se passe. Au bout de 5 minutes, je me suis dit... Là, c'est vraiment, c'est dangereux. Et j'ai eu tellement peur. Et quand je vous dis que les arbres étaient... Enfin, ça faisait trop peur. Je me suis dit, il y a un arbre qui va tomber sur moi. Il y a un panneau publicitaire ou un panneau routier qui va tomber sur moi. Genre, tout tremblait. C'était tellement, mais tellement dangereux. Je vais mourir ici. Plus en plus, je marchais. Il y avait moins en moins de personnes. J'étais en train de me dire, je vais mourir. Mais en vrai, ça m'avait trop peur. Et après, je suis arrivée. Heureusement, j'avais des affaires parce que je suis allée à la danse. Le soir, j'avais prévu d'aller à la danse parce que j'ai payé un cours de danse pour aller le soir. Et j'étais en mode, mais attends, si la tempête ne se calme pas, je vais dormir au travail. Ça aurait été tellement drôle. Surtout quand je suis arrivée au travail, j'ai reçu un message d'urgence en mode... Ne sortez pas dehors, tempête, urgent, faites attention, en gros, restez chez vous. J'étais en mode, super, merci de me dire ça. Et après, quand je suis allée à la danse, c'était ultra calme, genre je suis sortie, il faisait beau. Et donc voilà pour ma journée du... Ça, c'était mercredi. Et donc jeudi, je suis allée au travail parce que c'était les 10 ans du lab. En fait, après tout, c'est enchaîné tellement vite et c'était trop bien. En vrai, j'ai fait plein de trucs cette semaine. Hein. J'étais au milieu du tempête,
J'ai fait une couleur qui n'a pas marché. Je suis allée à la danse. J'ai fait les 10 ans du festival. Bisous. Ok, je me suis enfin décidée à sortir de chez moi. Il est genre 18h. Ce matin, je suis sortie pour aller m'acheter encore une fois une couleur. Je me suis dit, la première fois ça va marcher, je vais prendre blond. Est-ce que je suis blonde pour vous? En vrai, c'est un peu plus clair. Mais c'est clairement pas blond, donc j'ai envie de mourir. Et là, je vais chercher un endroit pour prendre des glaces parce que j'ai trop faim. Voilà. Vélo, 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 vélo. Bonjour. Je filme dans la rue. Oui, oui, absolument. J'ai passé la journée au Vondelpark et tout. C'était trop cool. Et en fait, c'est déjà mon objectif. Pourquoi je suis allée au Vondelpark? C'est parce qu'il y a un festival open air, théâtre, machin, dans le Vondelpark. Il y a des sortes de trucs tous les week-ends. Donc je me suis dit, je vais y aller ce soir. Sauf que c'est bas, donc j'y vais, machin. Je savais pas du tout ce que ça allait être. Je me suis dit, ça va être un truc de musique? Non. Ou je sais pas, de la danse ou de la musique, je sais pas. Et là, je me rends compte que c'est du one man show. Du one man show en néerlandais. Je n'ai pas compris un seul mot. Et sauf que j'étais bloquée parce que je me suis assise. Et que j'étais vraiment bloquée entre des gens. Et que j'étais en mode, je ne comprenais pas un mot. Je rigolais en même temps que les gens et tout parce que j'ai été bloquée, je pouvais pas faire autrement. Donc imaginez-moi assise avec plein de néerlandais qui rigolent, mais vraiment ça avait l'air hilarant. J'avais envie de comprendre et j'étais là genre je ne comprenais pas un traître. Je me disais, putain Alice, vraiment faut que tu te sors de ce bourbier. Donc à un moment il y a une botte qui m'a dit, mais au pire fais genre t'appelles quelqu'un ou je sais pas quoi. Et j'étais en mode, mais si je fais ça, imagine, il me voit parce que c'est, il y avait vraiment pas grand monde. Si je sors, genre il va m'interpeller ou un truc comme ça. Et donc, et je vais pas comprendre. Genre je sais pas, tu sais, les humoristes ils font ça là. S'il y a des gens qui partent, ils font en mode, bah pourquoi tu pars ou des trucs comme ça. Je n'allais pas comprendre, je me suis dit. Et plus le temps avançait, je me suis dit, là Alice, c'est trop tard. Tu peux plus revenir en arrière. Parce que si tu pars maintenant et que tu dis, oh vraiment, je comprends pas. Ils vont te dire, mais pourquoi t'es resté aussi longtemps? Enfin bref, mais c'était vraiment très 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 drôle. Enfin du coup, ma situation. Le spectacle, je ne le sais pas. Je sais pas si c'était drôle. Peut-être, j'imagine. Voilà, donc c'était vraiment très très drôle. J'ai eu mon anecdote du jour. Je n'arrête pas avec les anecdotes en ce moment. J'espère que ça vous a fait rire autant que moi. Putain. Oh hi. Sun slay ou quoi? Another day, another slay. Je me suis motivée pour aller au musée. Je voulais aller au cinéma, au Tonchinski, qui est un beau théâtre et tout, pour aller voir Asteroid City. Mais en fait, je vais attendre Nicolas qu'il revienne pour qu'on y aille ensemble. Donc là, je vais au Sloterdijk. Sloterdijk. Le temps est très approximatif. Du coup, je sens que en fait, j'ai regardé, dans une heure il pleut. Mais depuis que j'ai pris une tempête, depuis que j'étais au milieu littéralement d'une tempête, je n'ai plus peur de rien. Bref, on se retrouve au musée. Je vous retrouve avec un temps de fou quoi.
Yes, on est ravis. Bien de sortir, il est 17h... 17h30. J'ai donc passé 2 heures au musée. C'était bien, en vrai, c'était cool, mais c'est le genre de musée qui est très gros, et encore il n'est pas énorme, mais qui est quand même assez conséquent en termes de propositions. Attends, je sais plus où je suis là. Attendez. Donc, je disais que c'est comme le Centre Pompidou, en fait il y a des collections, des œuvres de malades, vous avez tout, il y a du Fontana, il y a du Toulouse-Lautrec, il y a du Matisse, du Van Gogh, il y a forcément en fait un artiste que vous connaissez dans l'eau. Et c'est un peu mis là comme ça, la médiation comment elle était faite, j'étais un peu en mode mais pourquoi ça c'est avec ça. Mais en tout cas j'ai trouvé que sans l'audio guide, et ben on s'y perdait un peu. En tout cas moi je m'y connais un peu en histoire de l'art, j'ai des bases très basses. J'ai des bases. Que tout était mis là pour montrer que oh, on a une grosse collection, on a une grosse... Ok, d'accord. Puis pourquoi je me suis mise là? Bon, Alice, voilà, bravo. Donc j'ai trouvé que dans la totalité, genre, c'est un peu mal scénographié quoi. Ça manque d'indication, vous voyez? Mais sinon magnifique hein. Moi j'ai, en fait je me rends compte que j'aime pas les gros musées, les énormes musées comme ça là. Tu t'y perds trop quoi, t'as trop de trucs. Ils sont là, t'as trop de trucs. Bon bref, je vais vous laisser parce que il pleut là. Je pense que ça se voit. Oh là là, Alice. Bisous. Vous avez de l'eau partout, mais écoutez, va falloir vous mouiller un peu. Je vais pas être la seule mouillée ici. Hein? Bonjour mes chers compatriotes. Regardez qui j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ma vie. Regardez-le. Voilà, je vous retrouve vraiment 5 secondes pour faire ma dégustation de chocolat parce que je trouve ça hilarant. Alors, magnifique par contre la couleur. Romige Hazelnut Crunch. Cette fois-ci le papier est brillant parce qu'en fait l'autre, le ça c'était doré genre. J'étais en mode, attends, j'ai gagné un truc là, je vais... Wonka, Charlie la chocolat, tu veux dire. Je te jure, déjà, c'est un chocolat au lait. Ça va cruncher. Texture, ça croque quoi, ça crunch. Mais à la fois, c'est moelleux. Tu veux dire, c'est crémeux? C'est crémeux, Romige. Crémeux. Romige, ça veut dire crémeux. C'est hyper moelleux, c'est vrai. Romige. Romige, je sais pas comment on dit, ça veut dire crémeux. Oh non, il est délicieux. Bon alors je donne la note. Oh c'est délicieux. Donne un bon 8,5. Non 9. Tu sais quoi, je donne 9 parce que c'est délicieux. Est-ce que tu penses que je vais réussir à tous les goûter? Je pense que c'est largement faisable. Donc voilà, j'avais que ça à vous dire. Aujourd'hui j'ai passé une super journée. C'est pas de la pluie là. Bon allez, bisous. J'espère que vous avez aimé cette représentation. Faut qu'on fasse le débrief du film. Bah c'est ça, j'ai dormi. Alors Nicolas a entièrement mais dormi du début à la fin. Du coup on est allé voir Asteroid City. Et personnellement j'ai trop aimé. Là on va à No Girl. C'est une boutique de revente de vêtements vintage. Ça va vite, ça y est. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle dégustation de Amsterdam Chocolate. Petit kidder, petit kidder. Quoi? Chocolat blanc. Ouais, j'en étais sûr. Non! Viteux chocolateux. Et du coup, j'étais en mode, est-ce que je lui dis ou pas? Oh non! Framboise.
c'est pas bon, t'aimes pas. T'aimes pas, ça se voit. En fait, déjà, le chocolat blanc, c'est beaucoup d'informations. Et c'est des, c'est de la framboise crunchy, genre. Ouais, c'est des morceaux de framboise séchées. C'est des framboises séchées, ouais. Ça se voit. Ça, c'est trop bon, j'aime trop. Mais ça fait beaucoup d'infos. Je vais leur donner la note. 2. Une note difficile. Non, 5 sur 10. Non, moins. Non, 4. Mais en vrai, j'aime pas, genre. 4 sur 10 ? Ouais. Mais ils sont parce que bons. C'est du bon, c'est du bon chocolat, mais j'aime pas moi personnellement, genre. Et donc voilà, j'ai fini mon site web, allez voir ça. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Nous sommes lundi, nouvelle semaine et nouveau chocolat. Je pense que si je comprendrais l'intérieur, je serais ravie. C'est jamais le même intérieur, c'est super. Déjà, c'est du au lait, donc ça me rassure. C'est top. Oh, miam, miam, miam. Bon, là, je sais pas quoi mettre comme note. Je pense que je vais mettre un 8. J'ai l'impression que mon 8, c'est un 10. Parce que c'est super bon. Oui, parce que je vois, en fait, tu veux laisser de la marge pour cas où. Mais au cas où, mais il y aura jamais mieux que ça, en fait. Je sais pas. Hein. C'est vraiment le chocolat de mes rêves. Bon, là, je mets la note de 8,5. Non, c'est une bonne note. C'est une bonne note. Bisous. Je vais actuellement à NBSM. Qui n'est pas simplement un arrêt de ferry, mais aussi un endroit où apparemment il y a un hangar avec plein d'ateliers d'artistes. Donc j'ai envie d'aller là pour voir ce que ça donne, parce que c'est un endroit qui est trop kicks. C'est ça mon objectif. Je suis contente d'être sortie chez moi quand même. Je sais pas pourquoi je me suis motivée, mais... Il me semble que c'est un mur, enfin jusque là on est d'accord, mais c'est un mur où vous pouvez, on peut graffer, c'est top. Je me retrouve à une expo, il y a absolument personne. Je ne comprends rien. Je sais pas si j'ai le droit d'être là. Mais ça n'a aucun sens là, j'ai vu un spectacle avec des gens avec des casques de chat se mettre dans de l'eau. J'avoue, je sais pas ce que je vois, il y a trop de trucs qui se passent, il y a trop de trucs, je comprends pas. J'ai retrouvé Nico. Nos paparazzi. J'espère que ça va. Moi, ça va nickel. Nous sommes dimanche et je me dirige vers le Rijksmuseum, qui est donc un peu les beaux-arts d'Amsterdam en termes de musée. Donc il y a des grands tableaux de l'histoire de l'art qui sont là-bas et j'ai trop trop hâte. Minutes du musée. Je suis au café de Hollen qui est un peu terre-terre. Pas du tout, j'y suis allée 3 fois mais c'est déjà beaucoup. Je viens de me poser, j'ai marché 30 minutes pour essayer de trouver
un bar qui était sympa parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de terrasses ici. Genre, je sais pas si c'est moi qui suis pas allée dans les bonnes rues. J'ai grave aimé le musée, c'était cool. C'est pas trop ma vibe, les musées des Beaux-Arts de base. Genre c'est chiant quoi, c'est les Beaux-Arts, c'est comme le Louvre. Mais franchement j'ai trouvé ça grave cool. En fait il y avait des cartels à chaque œuvre. Il y avait des cartels qui expliquaient ou qui donnaient une petite anecdote ou un petit truc. Et j'ai trouvé ça top. Si vraiment t'as envie de te concentrer, s'il y a une œuvre qui t'intéresse, bah tu lis le petit truc qui est tout petit. Mais c'est génial, je trouve ça top. J'ai acheté une petite carte. Et voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Parce que je pense que parce qu'en vrai au final c'était pas... Genre je suis restée 2h30 dans le... dedans. Qui est plutôt... qui est long, franchement je suis épuisée. Voilà, j'ai trop aimé. T'es prête? Est-ce que toi t'es prête? Ouais. Attends, mais t'es gros. Demain, c'est le dernier jour de mon stage. Très contente parce que j'ai hâte d'être en vacances. Ouais, il y a une partie de moi qui a vraiment hâte d'être en vacances. Et de l'autre côté, forcément, je suis un peu triste parce que ces 3 mois de stage qui ont été trop trop cool. Parce que j'ai fait une dégustation de chocolat, mais j'ai pas filmé parce qu'on était devant un film et tout, et j'ai eu la flemme. Le verre d'eau un peu, un verre d'eau. J'ai mis la note de 8 parce qu'il était super bon. Et là, c'est le Ben & Jerry's. Et on va goûter. Ça croque, mais ça croque pas. Enfin, genre, c'est un entre-deux un peu bizarre. Ouais, chiche. Bisous. Bonjour. Et celui-là, violet, mamacita, de la mama de la cita. Bretzel, très bon. La note de 6 pour ce beau violet, ce qui est déjà pas mal. Et donc, aujourd'hui, nous testons le... rose, par contre, je commence vraiment à avoir une collection de fous. Mmh. Bah, c'est classique. Non, mais bon. Oh non, 9. J'ai l'impression qu'il est tombé. 9. Bref, voilà. C'était top. Moi, vraiment, une note qui dépasse les entendements. Nous allons à Wonder Experience faire du roller skate. J'ai hâte, je vais être très nulle. Voilà. Je vous retrouve parce que nous sommes le dimanche 6 août et donc il faut que je termine ce vlog très rapidement, ce troisième vlog. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas au même endroit, mais je suis à Castricou, qui est dans une petite ville dans les Pays-Bas. Et en fait, mes parents sont là pour 10 jours et donc ils ont pris une petite maison à Castricou et c'est trop bien parce qu'on allait se baigner, puis à la plage, genre à 10 minutes, on allait faire du vélo. Oui, j'ai fait du vélo. Et donc c'est la fin de ce vlog. Voilà, sachez que j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez regarder le prochain qui va, j'espère, être aussi bien. N'hésitez pas à vous abonner ou à ne pas le faire. C'était le troisième épisode d'Alice Mouilla Amsterdam. Bisous, et il ne fait que pleuvoir.